رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا لته في كل حين رمضان. Hello les cookers, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de la série Tout Ruisseau et c'est la recette des yakitori bœuf fromage. Super simple à faire. Vous pouvez les accompagner de riz avec une salade, vraiment ça passe avec tout. D'ailleurs cette vidéo est en collaboration avec la boucherie Arid Boucherie où je me suis fournie justement en carpaccio de bœuf et je me suis faite livrer grâce à l'application ButcherBox. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, c'est une application qui vous permet de vous faire livrer de la viande halal chez vous, donc via des boucheries halal à proximité. Donc ça peut être des boucheries que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. En tout cas, l'application est hyper ergonomique et c'est réellement un plaisir de choisir la viande qu'on veut tranquillement chez soi, parce que les fils de la boucherie, on les connaît tous. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à télécharger cette application. Demain, il y a un concours sur mon Instagram pour gagner 2 bons d'achat de 50 euros sur l'application, donc 2 bons d'achat de viande, donc on se retrouve là-bas. C'est parti pour la recette. On va prendre 12 tranches de carpaccio de bœuf. Ensuite, on va couper des petits bâtonnets d'emmental. Pour la marinade, on va ajouter dans un bol 2 cuillères à soupe de sauce soja sucrée, 2 cuillères à soupe de miel, 1/2 le jus de 1/2 citron. Et on mélange. C'est parti pour le montage de nos brochettes. Donc on va commencer par badigeonner le carpaccio de bœuf avec la marinade. On va prendre un bâtonnet d'emmental et y mettre un bâtonnet type brochette. Donc on le met à l'extrémité et tout simplement on enroule délicatement. Sur une poêle, on va mettre un peu d'huile d'olive, ajouter les brochettes de bœuf fromage. On va les laisser cuire à feu moyen. Une fois que ça commence à cuire, on va ajouter la marinade. Puis, on va les retourner délicatement et les laisser cuire jusqu'à ce que le fromage soit bien fondant. Et voilà, nos yakitori bœuf fromage sont prêts. On y ajoute quelques graines de sésame et c'est à manger bien chaud. C'est juste délicieux avec des makis ou tout simplement du riz, des nouilles. C'est une pure merveille à tester absolument. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre plein de pouces vers le haut. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. À très vite.